Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, l'éclairage est un petit peu différent, j'ai des soucis au niveau des yeux, mais vous aurez une surprise demain. Bref, allez c'est parti pour le Manga Café News et encore une fois des news croustillantes. Tout d'abord l'annonce de la perfecte édition de No Control, les nouveautés aux éditions IMO, le nouveau manga de Yuko Kazumi, la fin de Sky High Survival Next Level, l'arrivée du manga Fenrir en France, le planning animation du mois de mai pour Netflix, Amazon Prime, mais également ADN, et pour finir les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. La perfecte de No Control. Qu'est-ce que No Control? Eh bien, c'est un manga de Lin Akamoto, la créatrice d'Elfen Lied. Vous le savez, chez Delcourt Tonkam, le tome 1 de Elfen Lied sort le 19 mai, mais également les deux derniers tomes de Brynhild in the Darkness. Et du coup, troisième news, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la perfecte édition de No Control. A la base, c'est un manga en deux tomes. Cette fois-ci, la perfecte contiendra les deux tomes. Donc, un bon gros pavé de 240 pages, sortie prévue également le 19 mai au prix de 15€. Donc vous aurez le premier tome de Elfen Lied et No Control du même auteur qui sort le 19 mai aux éditions Delcourt Tonkam. Et du coup, de quoi parle No Control? Eh bien, c'est l'histoire de Subaru, une jeune fille de bonne famille, parfaite, jolie et intelligente, qui fréquente une pension UP. Le héros, son ami d'enfance, a réussi à se faire admettre dans le même lycée qu'elle pour la retrouver. Une certaine distance s'est installée entre eux au fil des années, mais une formule magique va soudain les rapprocher. C'est une comédie érotique. C'est une comédie érotique, hilarante, loufoque et complètement déjantée. Il faut aimer le genre. Personnellement, j'aime beaucoup l'auteur, surtout que j'ai découvert grâce à Elfen Lied. No Control est vraiment sympa. Donc si vous voulez vous faire plaisir, la perfecte est bientôt disponible. Et je vous conseille de lire parce que mine de rien, même si vous n'êtes pas fan de comédie romantique ou loufoque ou érotique même, franchement c'est agréable à lire et c'est extrêmement drôle. Une belle actualité pour les éditions IMO. En effet, les éditions IMO reviennent sur le devant de la scène avec plein de nouvelles séries. Tout d'abord, Un été à Tsurumaki, un manga de Shinya Komatsu qui est prévu pour le mois de juin de cette année. Sorti également prévu le manga Garden d'Isamaru Furuya, dont l'acquisition a été dévoilée il n'y a pas très très longtemps, on en avait parlé. Eh bien, il est prévu, lui, pour mars 2022. Côté réédition, la petite amie de Minami va avoir une réédition avec son retour dès le 21 mai dans une nouvelle édition plus grand format qui sera vendue 14€. Et en septembre, le manga Neko Kappa d'Imri Sakabashira qui sera de retour avec plus d'informations par la suite. Pour l'instant, aucune date n'a été dévoilée. Mais surtout, le plus gros, si vous aimez Atsushi Kaneko, le manga, le célébrissime manga Bambi, revient dans une nouvelle édition. Ce n'est pas une réédition, c'est une toute nouvelle édition du manga Bambi, fait sur celle japonaise, l'édition remodeled. Donc c'est vraiment totalement original, revu et corrigé par Atsushi Kaneko lui-même. C'est vraiment un très très gros morceau. Donc si vous aimez l'auteur, je vous encourage fortement à lire Bambi, qui sera normalement, la nouvelle édition de Bambi sera disponible d'ici novembre 2021. Le nouveau manga de Yuko Kasumi. Alors oui, nouveau manga de romance de l'auteur. Nous la connaissons surtout pour son manga The Teacher Is Mine aux éditions Soleil Manga. Et bien cette fois-ci au Japon, un nouveau manga a été édité en prépublication. Rentrons à la maison, c'est son titre en français. Et ça parle d'une jeune fille qui voit débarquer un beau jeune homme inconnu chez elle. Voilà, petite page couleur, c'est le nouveau manga de l'autrice, manga romantique, affaire à suivre si ça finit par arriver par chez nous un jour. La sequel
Sky High Survival Next Level, qui est la sequel de Sky High Survival, est terminé. Oui, ça y est, c'est officiel. Le 7e tome est le dernier. Oui. Pareil pour la France, ça vient tout juste de débarquer aux éditions Kana, mais la série ne comptera que 7 tomes, donc beaucoup moins que Sky High Survival. Mais en tout cas, voilà, Sky High Survival Next Level, c'est bientôt terminé. On attend la sortie des prochains tomes en France, mais je pense que d'ici fin d'année, vu le rythme de parution, eh bien le manga sera terminé aussi chez nous aux éditions Kana. Le manga Fenrir arrive aux éditions Casterman. Oui, l'isekai Fenrir arrive aux éditions Casterman. Alors oui, c'est encore un isekai, malheureusement. Mais en tout cas, ça arrive aux éditions Casterman pour le 30 juin au prix de 7,95€. Mais qu'est-ce que c'est Fenrir? Quel est cet isekai? Je vous laisse profiter des pages et je vous lis le synopsis. Il rêve de paix. Le sang des siens coule, un pacte va lui donner les armes pour faire trembler tous les hommes. Dans l'immensité de la steppe, Termujin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est aujourd'hui la proie des appétits des autres nomades. Le fort prospère, le faible disparaît. Comme briser cette spirale de guerre incessante? Un homme pourra-t-il se dresser et unifier sous la bannière tous les clans de la steppe? La réponse se trouve peut-être au fond d'un lac où murmurent les anciens. D'or, celui qui fait trembler la terre. Le fracas des armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose, Fenrir est le récit épique d'un idéal, celui de la conquête du monde. En vrai, ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air cool. Alors, c'est considéré comme un isekai, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ça n'a pas le synopsis d'un isekai à la con. Donc, affaire à suivre, moi ça m'a l'air plus d'un seinen ou d'un truc un petit peu historique, mais affaire à suivre. En tout cas, le synopsis m'a bien hypé, j'aime bien, donc je pense que ça fera partie de mes petites lectures, et peut-être qu'on en reparlera prochainement sur la chaîne. Qu'est-ce que vous allez pouvoir regarder en mai en animé? Eh bien, nous avons là le planning de Netflix, il n'est pas parfait, celui d'Amazon Prime, mais également de ADN. Tout d'abord, on passe chez Netflix avec la saison 3 de l'Attaque des Titans qui est arrivée le 1er mai, donc qui est actuellement disponible. Le film franco-japonais Mustafukaz qui lui arrivera le 24 mai. Il y aura également la saison finale de l'anime Castlevania le 13 mai. Et pour finir, la série Eden le 27 mai. Oui, non, il n'y a toujours pas Beastar saison 2 ni Shaman King. Non, bah, donc, hey, on a le temps. Du côté d'Amazon Prime Vidéo, déjà il y a la saison 1 à 3 de l'Attaque des Titans qui arrive également. Ah bah tout le monde se l'arrache, hein. Vu le succès que ça a. Fat Stay Night, Unlimited Blade Works, Grim War, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Re saison 1 et 2 et Your Name arrive également sur la plateforme maintenant. Amazon Prime fait pas semblant. Donc ils veulent concurrencer Netflix. Eh ben, ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Bref, que du gros. Donc, si vous voulez revoir ces séries et si vous avez du coup Amazon Prime, eh bien, faites-vous plaisir. Et on finit avec mes petits chouchous avec Golden Wings, Jojo's Bizarre Adventure en VF, l'épisode 1 à 2, à partir du 4 mai. Le 5 mai, vous aurez la saison 3 de Food Ward en VF. Le 7 mai, Ancien Mangus Bryce en VOSTFR. Le 12 mai, Orange, que ce soit en VF ou en VO. Le 14 mai, Golden Kamuy, saison 1 et 2 en VOSTFR. Le 21 mai, Code Geass, Lelouch of the Rebellion, le film 1, 2 et 3. J'ai sauté une ligne, mais le 19 mai, vous avez Blackrock Shooter en VO. Reborn épisode 73 et 88, le 25 mai. Yu Yu Hakusho, le film, le 26 mai. Ça, ça fait plaisir. Okuto no Ken, en VO et en VF. L'épisode 80 à 90, le 27 mai également, et le 31 mai, Yu-Gi-Oh! Duel Monster en VF, saison 1 et 2. Et comme d'habitude, en simulcast, Détective Conan, To Your Eternity, Fruits Basket, Joran the Princess of Snow and Blood, Full Drive, Burning Kabaddi, Dragon Quest Adventure Cat of Die, My Hero Academia, Arrête de me chauffer Nagatoro, Digimon Adventure 2020, One Piece, Le Pays d'Wano, Boruto, Naruto Jack Generation et Kingdom. Voilà tout
ça, qui est aussi disponible en simulcast sur ADN. Ah, le film Yu Yu Hakusho, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Regardez Yu Yu Hakusho, il y a l'intégralité sur ADN. Si vous avez ADN, regardez Yu Yu Hakusho, il y a la perfecte édition en manga qui arrive cet été. On va encore parler de Togashi. Hunter x Hunter, c'est pas son meilleur manga, je vous le garantis. Et allez, maintenant, on passe aux sorties manga du jour. Les premières sorties du mois de mai, et je peux vous garantir qu'il y a du beau monde au programme. Tout d'abord aux éditions Pika, le 9e tome de la perfecte édition de Cardcaptor Sakura. Le 7e tome de l'édition 20 ans de Chobit. Le 22e tome de Noragami. Le 5e tome de So I'm Spider So What. Le 1er tome de The Witch and the Beast. On passe chez Doki Doki avec le 14e tome de Battle Game in 5 secondes. Le tome 3, le Conte des Parias. Le tome 3 également de la gameuse et son chat. Le 1er tome de Tetsu et Doberman. Et le 17e tome de The Rising of the Shield Hero. On passe aux éditions Glénat avec le 23e tome de Altaïr. On en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Les 3 livres dédiés au château dans le ciel. Donc vous avez l'artbook, l'album illustré, mais également l'intégrale. Chez Glénat toujours le 8e tome de Parasite édition originale, le 1er tome de Parasite Reversi, le 2e tome de Pour le pire et le 5e tome de Shadow House. On continue chez Nobinobi avec le 2e tome de Hashtag Cooking Karin, le 4e tome de la première saison de Captain Tsubasa Anime Comics et le 1er tome de Power Gamer Adventure. Aujourd'hui chez Delcourt Tonkam, le 3e tome de L'Homme qui tue Nobunaga et le 8e tome de Honey comme Honey. On passe chez Kazé avec le 8e tome de Chainsaw Man et le 17e tome de We Never Learn. Et pour finir, aux éditions Futuropolis, le one-shot L'Attente. Chainsaw Man, plein de nouveautés, l'artbook du château est dans le ciel, bref, plein de bonnes choses sortent aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'une part ce que vous allez acheter en achat manga pour ce mois de mai, aujourd'hui ou même dans les jours à venir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre news favorite du jour. En attendant, on se retrouve demain 7h du matin comme d'habitude pour plein d'autres news croustifondantes. Donc d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.